Bonjour, je vais vous présenter le Piacouis MiTutuYo 500-474. Donc, il est livré dans un coffret permettant de le stocker. Voici le Piacouis MiTutuYo 500-474. Alors pourquoi j'ai choisi la marque MiTutuYo? Ben, tout simplement parce que c'est une marque qui est reconnue dans le domaine de la métrologie et des appareils de mesure. C'est une marque japonaise. Pourquoi avoir choisi ce modèle, donc le 500-474? Parce que d'une part il est digital, donc ça permet de faciliter la lecture de la mesure. Et d'autre part, il est solaire. Donc ici, toute la surface ici est un panneau solaire, ce qui fait que il est totalement autonome. Précédemment, j'avais un autre Piacoulis digital qui fonctionnait sur pile. Malheureusement, je m'en sers assez peu souvent, une ou deux fois par an. Et chaque fois que je voulais m'en servir, évidemment, la pile était soit vide, soit trop faible. Et donc, je devais changer la pile à chaque fois. Là, avec ce modèle, j'ai un modèle qui est totalement autonome. Donc l'autre particularité de ce modèle, c'est qu'il est capable de faire des mesures soit en millimètres, comme ici, soit en inch, c'est-à-dire en pouces. La simple pression d'un bouton permet d'avoir l'unité en pouces. On remarque également que l'échelle, ici, est également dans les deux unités, ici en millimètres et ici en pouces. Alors, ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser ce Piacoulis solaire, il faut qu'il y ait une intensité lumineuse minimale de 60 lux. Mais 60 lux, c'est assez faible. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des mesures même dans des endroits un petit peu, on va dire, sombres. Par exemple, ici, je vais faire la mesure de l'intensité lumineuse que j'ai actuellement ici, sur cette table, à l'aide d'un luxmètre. On va voir à combien je suis. Donc là, je suis environ à 1000 lux. Et on voit que le Piacoulis fonctionne très très bien. Évidemment, 1000 lux, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant éteindre la lumière. On voit qu'on a baissé, on n'est plus qu'à environ 200 lux. Et mon Piacoulis fonctionne toujours. Voilà. C'était la présentation du Piacoulis MiTutuYo 500-474. Je vous remercie.